Dans la cinquième course, le numéro 10 est non partant. Les paris engagés sur ces chances seront remboursés. Parti pour 1400 mètres, cette fois-ci pour la cinquième épreuve du programme, avec tout de suite un bon départ à mettre à la cliff, le Choupi Chop avec Julien Auger, avec Michel Ira qui est venu en deuxième position, Mademoiselle Agapé également qui se rapproche en dehors en troisième position, Red Manol est là tout près, venant en quatrième, avec Oli César qui galope cinquième, Bucking Ben également qui est venu au contact des premiers, tout comme d'ailleurs le numéro 2, Montilu, alors que pour l'instant à l'arrière du peloton on retrouve le numéro 12, Midnight Lightning, qui est un tout petit peu prise de vitesse à cet instant. Les concurrents qui vont aborder l'unique tournant du parcours avec Choupi Chop qui a l'avantage. Misha Ira en casaque bleue et toque verte est venu en deuxième position. À son extérieur vient la casaque orange et noire de Mademoiselle Agapé, alors que Montilu à son tour a fait mouvement, est venu désormais quatrième. Red Manol galope en cinquième position, accompagné le long de la corde par Oli César. Plus loin on retrouve le numéro 9, Wusa Moya en casaque bleu ciel avec une toque rouge, et Bucking Ben qui est là tout près, venant plutôt le long de la corde. Midnight Lightning toujours à l'arrière-garde. La sortie du tournant pour aborder la dernière ligne droite à 400 mètres du but environ, un petit peu moins maintenant, avec Choupi Chop qui a toujours l'avantage, Misha Ira qui est en deuxième position, Mademoiselle Agapé qui est au centre, avec également Oli César qui tente de venir avec un tout petit peu plus loin le numéro 7, Villaciosa à 200 mètres de but, avec Choupi Chop qui a toujours l'avantage, Mademoiselle Agapé, Red Manol de plus en plus vite à l'extérieur, moins de 50 mètres à parcourir avec Choupi Chop, Misha Ira devant Mademoiselle Agapé, Choupi Chop qui s'impose avant ensuite entre les numéros 3, 6 et 11 à la corde, le numéro 11, Misha Ira.